Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo spéciale végétarien. Bonjour David. Bonjour Ludo. J'ai dans mes coachings de plus en plus de demandes de personnes qui sont végétariens. Évidemment, je les oriente. Toi, tu leur conseillerais quoi? À quoi devraient-ils être attentifs? Alors, il y a effectivement plusieurs choses à laquelle il faut faire un peu plus attention lorsqu'on décide de faire un régime alimentaire de type végétarien, parce que c'est tout à fait compatible avec la perte de poids et la santé. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, pour les protéines par exemple, il faut pouvoir combiner les différentes protéines végétales qui n'ont pas toutes la même valeur. Autant dans une protéine animale, on va retrouver l'ensemble des acides aminés, autant dans une protéine végétale, il faut pouvoir les combiner. Et à ce moment-là, on va combiner céréales et légumineuses. Céréales et légumineuses qu'on retrouve dans beaucoup de plats traditionnels. Si vous pensez au couscous, vous avez le blé du couscous et vous avez le pois chiche de la légumineuse. Donc vous avez là une combinaison idéale et vous pouvez en retrouver dans d'autres habitudes culinaires. On entend souvent parler de végétariens, mais il y a également les végétaliens. Quelle différence tu fais entre les deux? Alors les végétaliens ne vont pas du tout aller voir les produits d'origine animale, donc on va englober dans le végétalisme ou les véganes les produits laitiers, les œufs et le miel. Là, il faut faire beaucoup plus attention parce que les carences en micronutrition, en micronutriments sont beaucoup plus fréquentes. Un grand merci David, bonne journée à tous.